Bon alors je sais d'avance que la vidéo va vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on va passer en review et on va ouvrir un clavier. Et un clavier mécanique qui a une certaine spécificité au niveau de sa matière. C'est un clavier qui est fabriqué en partie en bois de noyer. Et vous allez voir en plus de ça que les switches sont très satisfaisants. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer en review un clavier de la marque ACKO, le MU01. Un clavier qui s'appelle le MU01 Mountain Seclusion, qui veut littéralement dire isolement en montagne. Alors vous doutez bien qu'on n'aura pas d'écho du tout sur les touches de ce clavier. Les switches sont linéaires et très satisfaisants. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous on est parti sans plus attendre parce que je pense que ce clavier va extrêmement me plaire. On est parti pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir le clavier de la marque ACKO, le MU01. Et vous allez voir que c'est un clavier qui est en bois. Un clavier mécanique en bois. Alors vous vous doutez bien qu'au niveau de la satisfaction aujourd'hui, on va être au max. Je vais d'abord le déballer délicatement et le découvrir en même temps que vous. Déjà, le packaging nous en dit beaucoup sur ce clavier. On peut voir qu'il y aura du coup des inscriptions sur les touches. Il faut savoir que c'est un clavier mécanique à 65%, c'est-à-dire qu'il prend environ 65% de la place d'un clavier standard. Il est plutôt compact et je suis sûr qu'il nous réserve de belles surprises. Alors, on va l'ouvrir dès maintenant. Et j'ai déjà fait quelques vidéos avec la marque ACKO et à chaque fois, j'ai été surpris sur la satisfaction que j'en avais des claviers. Je pouvais être très satisfait au moment de l'utilisation. Les claviers étant bien léché, bien préparé et bien foutu, on a des jolis bruits et quelque chose de très agréable à utiliser. Ok, alors tout se trouve en dessous. C'est parti. Déjà, nous avons une protection en plastique et franchement, ça fait plaisir. On est sûr qu'il n'y a pas eu de choses dérangeantes au niveau de la livraison et ça fait plaisir. Nous avons également la notice, mais surtout le principal, le clavier qui est juste ici. Et qui va peser 850 grammes. Alors, c'est pas énorme pour un clavier 850 grammes, mais je vais tâcher de vérifier ça ensemble. Je l'ai entre les mains, j'ai hâte de le découvrir, mais juste avant, je tiens à vous dire que tout était bien protégé. Nous avons donc pas mal d'emballage. Mais c'est un bon point, hein, parce que quand on achète un clavier qui coûte plus de 130 €, il me semble, à l'heure actuelle, voilà, un clavier qui coûte une centaine d'euros, on a hâte de le recevoir et le tout bien protégé pour éviter les petits défauts de livraison. Alors, il est juste ici. Et j'ai envie de le dévorer. Mais juste avant, je vais sortir tous les accessoires et nous avons pas mal de choses. Tout d'abord, le câble en USB type C. Bon, le seul souci, c'est que je trouve qu'il ne va pas avec l'aspect du clavier, mais c'est pas grave, on pourra l'utiliser sans fil si on le souhaite. Et le câble n'est pas mal fait pour autant. On a un câble qui va résister dans le temps, j'en suis sûr. De quoi enlever les switches et de quoi enlever les touches. Alors, autant vous dire qu'on est bien équipé. Le tout avec la petite clé USB qui va permettre la connexion sans fil 2,4 GHz. Et nous avons donc à disposition le clavier. Et vous pouvez voir qu'il y a des inscriptions sur les touches. Bon, c'est du QWERTY. On pourra remédier à cela en bougeant les places des touches. ACKO propose beaucoup de claviers en QWERTY. Mais on pourra s'adapter. On peut voir le bois tout autour, hein. Le cadre est en bois, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Il faut savoir que c'est du bois de noyer. Bref, une précision industrielle pour tailler le boîtier de ce clavier qu'on va analyser de beaucoup plus près parce qu'il a le mérite d'être super bien fini. En haut, on est sur une texture en or, couleur or, qui va ressortir et donner un aspect beaucoup plus luxueux et fini au clavier. Beaucoup de choses à voir de plus près hein, parce qu'on a beaucoup de design et beaucoup de dessins sur le clavier. Et j'ai reçu aussi ce petit pot qui va nous servir à lubrifier tout simplement les switches qu'il y aura dans ce clavier. Et déjà là, franchement, ça fait plaisir. On a un son qui est excellent. Voyons ça d'un petit peu plus près. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est un clavier en bois de noyer avec une technologie computer numerical control. C'est-à-dire que la découpe du bois s'est faite de façon très précise et très chirurgicale. On est sur quelque chose qui n'est pas laissé au hasard, qui ne va pas avoir de mauvaise finition. Et ça, c'est un gros plus. Une batterie de 4000 mAh qui nous permettra du coup de l'utiliser sans fil, soit avec le 2,4 GHz et le connecter directement grâce à cette petite connectique USB ou sinon en Bluetooth 5.0 et on pourra connecter jusqu'à 3 appareils simultanément et on pourra switcher entre tous les appareils. Et évidemment, la connexion qui rechargera par la même occasion cette batterie de 4000 mAh, l'USB type C. Alors vous avez vu à quel point ce clavier il est joli, mais j'ai un truc à vous dire en plus de ça, juste avant de commencer, c'est que la disposition des touches est en disposition MOA.
Pour que vous compreniez bien la différence, je vous montre une image tout de suite à l'écran. En réalité, chacune des touches est aussi haute que la ligne suivante. Et ça, c'est très différent par exemple d'un clavier avec une disposition Cherry ou encore OEM qui va avoir une autre disposition, plutôt en cuvette. Et là, en fait, ça va permettre d'avoir un clavier basique avec simplement la même hauteur sur chaque touche. Et comme en témoigne la vidéo sur le site officiel d'Aco, regardez un petit peu la conception de ce clavier. À l'intérieur, c'est juste super bien fait. Et en ajoutant des petites couches supplémentaires pour éviter le résonnement, on a quelque chose de super bien fini qui va avoir un excellent bruit. C'est un clavier qui possède le N-Key Rollover, donc en gros c'est un anti-ghosting, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur plusieurs touches en même temps simultanément sans que le clavier ne bug ou ne prenne pas en compte une certaine touche. C'est bien à savoir si vous avez des jeux un peu compliqués ou est-ce que vous avez besoin d'appuyer sur plusieurs touches en même temps. Sachez que vous ne risquez rien avec le Aco MU01. Le Aco d'un peu plus près parce que c'est un clavier qui vaut le détour, hein, évidemment, de par son design. Hein, on peut voir qu'il y a beaucoup de petits dessins sur les touches. On peut voir qu'on est clairement dans un thème japonais avec des temples, du bambou et des inscriptions partout sur le clavier ainsi que des montagnes directement ici. Bref, on est sur quelque chose de magnifique avec beaucoup de références. On peut voir un pont ici sur cette touche. Ensuite, sur cette touche un peu plus, on peut voir des montagnes, ensuite des plantations, ensuite un autre temple. Et sur le côté, nous aurons des touches programmables et on a du bambou. Et c'est magnifique de voir que chaque touche a une spécificité, notamment avec des inscriptions. Alors par exemple, on a le G, mais on a aussi le signe correspondant ici. Et dans l'ensemble, nous avons un clavier qui est magnifique. Une fois posé sur la table, on a quand même un chef-d'œuvre, on va pas se mentir. Surtout avec son cadre en bois, regardez ça, le bois de noyer, qui a toujours une couleur un petit peu sombre, hein, le noyer, c'est jamais très clair comparé au bois de bambou qui est actuellement sur ma table, comme vous pouvez le voir. Le noyer va avoir quelque chose d'un peu plus foncé, avec beaucoup de démarcations et beaucoup de lignes dans son bois. Mais avec la précision de fabrication, nous n'avons même pas l'impression que c'est du bois. Quand on passe et qu'on ferme les yeux, c'est quelque chose de tout lisse. Sur le dessus, on retrouvera quelque chose de métallique couleur or qui va tout simplement ajouter un petit style au clavier et ça fait pas de trop. C'est une petite finition en or qui est magnifique et qui ne va pas faire trop bling bling. Ici, nous avons le port en type C pour connecter le clavier en filaire et recharger sa batterie de 4000 mAh. C'est donc un clavier qui va être multimode. C'est-à-dire qu'on pourra le connecter soit en USB type C, soit en Wi-Fi, enfin en sans fil 2,4 GHz, notamment avec sa petite connectique juste ici. Mais on pourra le connecter également avec du Bluetooth 5.0 pour avoir jusqu'à 3 appareils simultanément connectés. Et ça, ça fait plaisir, ça offre un large choix de connexion. Et à présent, vérifions son poids parce qu'il est indiqué à 850 grammes et on va vérifier ça. Ce clavier pèse exactement 870 grammes. Alors c'est vraiment pas énorme, j'ai reçu des claviers qui pesaient plusieurs kilos littéralement, plus de 2 kilos, donc ça va. Après ça fait quand même son poids. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'un clavier qui est un peu lourd, c'est sans doute qu'il a moins de résonance. Et au niveau du bruit des touches, ça va drôlement se ressentir. Écoutez juste ça. Vous avez vu quand même que c'est un joli son. Et ce n'est pas de la magie noire, c'est grâce à ces switches et aussi la confection globale du clavier. Regardez ça. Si j'enlève simplement les touches pour voir les switches qui sont en dessous, vous allez voir à quel point rien n'est laissé au hasard. En effet, ce sont les switches V3 Pro Piano qu'on a actuellement sur ce clavier. Des switches linéaires avec une course totale de 3,1 mm et il vous faudra 45 grammes force pour activer une touche. On est sur des switches à 5 broches qui seront remplaçables simplement avec la petite pince. Et c'est cette pince qu'on devra utiliser si jamais on veut remplacer les switches. Voici donc à présent le clavier qui est allumé avec des switches qui seront orientés vers le sud pour qu'on puisse bien voir toutes les couleurs. Et chacune des LED pourra nous procurer plus de 16 millions de couleurs. Et voici ce que ça donne quand j'éteins mes éclairages. Alors bon, les lumières, ce ne seront pas le point fort de ce clavier, mais c'est un petit plus qu'il va avoir et qu'on pourra paramétrer directement sur le logiciel. Et donc on se retrouve sur le logiciel où est-ce qu'on aura évidemment le clavier avec toutes les touches et chacune des touches pourra être paramétrée en fonction de beaucoup de paramètres. On aura également des macros qu'on pourra configurer si on le souhaite. On pourra aller très loin dans la configuration et je note une nette amélioration du logiciel Aco. Et on aura plusieurs modes disponibles pour les LED. Évidemment, on pourra tout changer comme on souhaite, par exemple ondulation. Par exemple, ici sur ce mode, on aura tout simplement une ondulation. Et on peut aussi mettre le mode étoile scintillante où est-ce qu'on aura
aura des lumières aléatoires et bien colorées, et aussi ombre légère qui va consister à rétroéclairer les touches une fois qu'on utilise le clavier. Mais le mode laser, lui, va permettre d'avoir une ligne complète qui s'active à chaque fois qu'on appuie sur une touche. Mais si je veux paramétrer bien comme je souhaite le clavier, c'est-à-dire par exemple ici je veux quelque chose de jaune pour toute la ligne en bas, je pourrais le faire. Et boum, la première ligne est activée. Je pourrais choisir parmi une multitude de couleurs, évidemment, le rouge, le vert et le bleu, avec énormément de déclinaisons, et je pourrais ensuite modifier tout comme j'en ai envie. Bref, le logiciel ACO permet une personnalisation très poussée des claviers, et ils sont détectés sans même avoir besoin d'être connecté à un compte. C'est plutôt agréable. Et il faut savoir que ce clavier possède pas mal de raccourcis pour faciliter l'utilisation. On peut noter FN et DEL qui vont tout simplement changer les modes de lumière associés au clavier. FN et flèche du bas pour modifier la luminosité de l'ensemble de l'effet et augmenter par la même occasion. Et également, FN plus flèche de droite va servir à orienter la direction de l'effet. Et FN flèche de gauche permettra de faire l'animation dans l'autre sens. Ici, FN plus petit crochet va permettre d'accélérer la vitesse de l'animation, tandis que FN plus ce petit crochet va décélérer l'animation pour laisser quelque chose de beaucoup plus digeste. FN plus L peut arrêter également totalement les LED, et ça fait plaisir d'avoir un petit raccourci. Et il faut savoir quelque chose sur ce clavier, c'est que la touche pour activer le Bluetooth se trouvera sous la touche majuscule. Et ça, c'est assez particulier. Mais voici le petit switch. On pourra donc activer le Bluetooth ou le désactiver avec simplement ce petit interrupteur. Et on pourra switcher le mode du clavier en faisant par exemple FN plus E, et là on va être directement sur notre device numéro 1. Par exemple, si j'ai connecté un téléphone en premier, on switch sur le téléphone. Mais si je veux switch directement sur le PC, je fais FN et R pour switcher directement mon device. Ici, je retrouve directement le ACO, donc je clique dessus et puis je vais pouvoir me connecter à mon clavier. Et là, je suis connecté. Et vous pouvez voir que je peux bel et bien écrire. Je peux marquer « Bonjour, je suis Julien ». Et ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci en termes de connectivité, c'est du Bluetooth 5.0, on est bien. Et à présent, passons à un test d'écriture. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que je vais mettre le clavier en situation, alors c'est parti pour faire un petit test et écrire des petites choses et voir ce que ça donne au niveau de la sensation. Mais je pense que ça va être assez positif. Évidemment, il n'y a rien à dire, c'est très satisfaisant. On a un clavier qui va avoir très très peu de résonance, même quasi pas, seulement pour la touche espace où il y aura un petit peu plus de résonance, sauf que c'est pas plus dérangeant que ça. Le fait que le clavier soit un petit peu lourd et qu'en dessous on ait des patins va vraiment optimiser la chose et faire en sorte que le clavier ne va pas bouger. Et donc voilà, là pour rire un petit peu, je vais sur un jeu, voir ce que ça donne avec le clavier. Évidemment, il faut que je paramètre mes touches, mais globalement, voilà, on a quelque chose qui va être du coup très réactif et qui va permettre de jouer évidemment, mais là on va être sur du jeu de plaisir. On va être sur du jeu où est-ce que clairement on veut tout simplement passer du bon temps. Et les performances, bon, c'est pas non plus le clavier gamer par excellence, mais c'est plutôt un clavier plaisir. Un clavier très satisfaisant qui va vous permettre de faire des choses plutôt pas mal. Hop, voilà, ça fait plaisir. Voilà, bon, écoutez, globalement, ça se passe bien. Ok, bon, écoutez, le clavier est parfait pour pouvoir jouer tranquillement et se faire plaisir. Écoutez, petite conclusion sur le clavier, on est parti. Alors évidemment, rien à signaler au niveau de la latence. Le Bluetooth 5.0, ça suffit largement pour avoir quelque chose qui va vite transmettre les informations. Voilà, aucun décalage, et pareil pour avoir joué avec, aucun décalage sur ce côté-là. Et c'est un clavier, comme je dis, qui est plaisir. Regardez un petit peu le design de ce clavier. Il n'est pas fait, évidemment, pour de la compétition, mais simplement pour pouvoir jouer tranquillement, se faire plaisir et prendre le temps d'utiliser un clavier qui a un son exceptionnel, car c'est un clavier unique. Évidemment, je vous le recommande si jamais il vous a tapé à l'œil ou simplement pour aller voir son prix précis en ce moment. Le lien se trouvera en description. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, évidemment, c'était un plaisir de faire cette vidéo sur un clavier. Les vidéos de clavier, c'est réellement ce qui m'a fait connaître sur YouTube. Et franchement, ça me fait plaisir d'en ouvrir un de temps en temps, surtout quand ils sont bien faits, comme ceux de la marque ACO. Je vous laisse aller voir, ils ont beaucoup de modèles et surtout des claviers à construire soi-même en ajoutant des switches, etc. Et c'est un plaisir. Enfin bref, j'espère que vous aurez aimé.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.